Verdine, Verdine, viens, viens voir la sauce. Elle n'est pas encore prête. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans la cuisine? Non, non, non. Viens, viens. Fais vite, hein. Les filles, la même. Kazaï? Oui. Chantou? Vous n'êtes pas encore prête? On est prête, on t'attendait. Je suis bien habillée, là. J'espère que ça va, hein. Et pour moi? Oui, ça va. Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit? Je vais répéter. Hein? Est-ce que vous avez bien compris? Vous savez que bientôt sont les fêtes. C'est ce que je fais ici. Vous avez vu la villa, tout ce que j'ai là. Mais Baka, tout ça, c'est ce que je fais ici. Hein? Vous sortez avec les garçons, au moins, chacun sort avec deux, trois garçons. Hein? Après deux jours, trois jours, tu vas leur dire, bon, ça va pas. Je... Hein? Est-ce que vous comprenez? Oui, on hein? Oui. Maintenant, dites que vous voulez avorter. Maintenant, si le gars, parce qu'il y a des gens, eux, ils ont des connaissances. En tout cas, il y a des gars, cailloux. Hein? Ils ont des connaissances. Donc, s'ils disent, non, moi, j'ai un ami docteur qui peut t'aider à enlever ça. Tu dis, non, 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 non. Moi, je veux l'argent. Je voudrais l'argent, hein. Cache, je voudrais l'argent cash. Hein? Ou bien un chèque. Un chèque, hein? C'est mieux, même un chèque. Hein? Là, c'est encore je veux l'argent, hein? Au moins 80 000, 90 000. Hein? Et vous, donc, ça, vous revenez avec ça. Et vous allez voir, vous allez bien vous habiller, on va bien manger, tout ça. Hein? D'accord. Je compte sur vous, hein? Soyez durs. D'accord. Ne badinez pas avec l'argent. Moi, je ne vais pas rire. Hein? Moi, dans mes loves, je ne blague pas. Hein? D'accord. Je vous souhaite bonne chance surtout. Merci. Merci, Tanti. Bertine, viens tourner le rue là. Mais j'ai dit, éléphant, il joue toujours là. L'argent continue toujours à vous. On a qu'à faire le compte aujourd'hui. Mais les années ne se ressemblent pas. Mais hein, Marino? Non, non, moi je suis d'accord avec voilà. Moi aujourd'hui. Oui, hein? Depuis 84, on cotise. Ah on cotise, on cotise toujours dernier, dernier. Ça, là, et puis il n'y a pas l'argent cette année pour cotiser. Mais vous ne vivez pas. Vous continuez à vivre depuis votre naissance. Non, 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 toi, tu veux pas participer. Non, 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 c'est pas affaire de participation. Oui, le citoyen, même pas citoyen. Moi, j'ai dit, ce que vous dites là, moi, mon directeur, je n'ai plus l'argent pour mettre ça dans l'éléphant. Mais si c'est ton club qui jouait, tu allais aller au terrain. Tu allais cotiser. Mais si elle n'est pas jouée, tu n'as pas dit. Oh, laissez ça là. C'est toi qui fais mon côté. Ouais. Tu n'es pas citoyen. C'est tout. Mon cher citoyen, les grades, on les donne, il faut prendre. Il faut même dans ces temps. Il faut participer. C'est à cause de le terrain. Il y a même des gens qui font le terrain. Il y a un de mes copains là, il m'a enceinté depuis là. Je suis allé chez lui là-bas, il me chasse. Si il n'est pas au courant que je suis ta tante. Comme elle a dit. S'en fout. Comme elle a dit. Non, non, non. Un de ses copains là, c'est ça qu'il va dire. Ses copains là, elle s'en reconnaît. Mais c'est un de mes copains. Il m'a enceinté. Je l'ai, il me donne l'argent, je vais enlever. Attends, attends, il va voir garçon. Où tu vas? Il va voir. On va finir notre blog, tu vas te lever pour aller avec des femmes. Effectivement, c'est lui. En tout cas, il faut que. Non, non, non. Nombreux comme ça là. Mais ça m'énerve. Attends, attends, je vais te demander. Le juge s'est croisé là, est-ce que tu étais témoin? Non, c'est pas une histoire comme ça. Il a insulté mon tonton, il a insulté. Mais allez-y. Ouais, tu partais pourquoi? J'ai un problème. Lequel? Autre fois qu'on s'est vu là, je suis enceinte. Mais ça tombe bien! Ça tombe bien! Mais c'est très bien ça! Hein? Papa, tu attends mieux. Hein? Ma patronne, elle est très sévère. Mais tu gardes, hein? C'est bon ça? Est-ce que tu sais que je t'aime? Mais oui, c'est pour ça que je veux qu'on fasse un enfant. On a tout là. Le temps devant nous. Pourquoi? Pour avoir un enfant. Mais moi, je veux qu'on fasse un enfant maintenant. Attends, on a tout le temps, mais pour le moment, là, il faut qu'on en aide. Ma patronne est très moche. Elle est méchante. Ça ne peut pas aller comme ça. Tu veux qu'on enlève? Il faut qu'on enlève. J'ai déjà vu quelqu'un. Et dis, c'est combien? 90 000 francs, chérie. 90 000? Il faut qu'on enlève. Ça va être la patronne, là. En tout cas, ça ne peut pas aller. Oh, mais je. Et puis, tu mets 50 000 francs pour ma fête. Toi-même, tu sais que c'est la fête, chérie. Non, un chèque, ça va? Un chèque, ça va. J'ai oublié ton nom, hein, tu as à fois de t'appeler chérie. À fois de t'appeler chérie, chérie. D'accord, ça fait rien, chérie. Tu es 150 000, ça va? Oh, ça hein? Me passe, ça, je t'aime. Oh. D'accord. Hey, chérie. Bon. Oh, non, non. Toi-même, l'année prochaine, on aura notre enfant même. Alors, bon, tu.
101 000, hein, après la fête, tu viens me voir, hein? Oh, il n'y a pas de problème. Hein? Mais il faut voir un bon médecin, hein? D'accord, il n'y a pas de problème. Il faut pas aller dans les petites cliniques, là. OK? D'accord, d'accord. Mais... Oui, monsieur, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Vous prenez quelque chose? Non, ça va, merci. Ah, ce matin, ma petite sœur est allée me voir. Et qu'il y a une différence entre vous et elle. Alors, je voulais savoir plus sur quoi je suis venu. Enfin, son visage ne me dit pas grand-chose. Mais... Elle est venue me voir ici. Ben... C'est elle... pas de quoi elle voulait parler. Hein, juste. Mais moi, elle m'a dit que vous êtes son copain. Je suis son copain. C'est ce qu'elle m'aurait dit. Comme elle-même, elle est là. Si elle vraiment pouvait modérer ce langage, ça me ferait plaisir. Hein. Ah bon? Moi, je suis son copain. Mais tu m'as dit quoi? C'est lui, il m'a enceinte, je suis venu lui dire ça, il m'a chassé de chez lui. Non, écoutez, mademoiselle. Mais c'est vrai, est-ce qu'on ne s'est pas rencontré la fois passée? Vous osez utiliser ce mot à mon égard? Ça fait combien de temps on s'est croisé? Et de quelle manière on s'est croisé? On ne s'est pas croisé là-bas. Monsieur, hein? Je vous respecte, vous êtes un homme. Mais en toute objectivité, cette fille, moi je l'ai croisée un jour dans le quartier. Et puis, bon, j'ai discuté avec elle. Elle m'a dit de lui donner 10 000 francs. Moi, je lui ai donné 10 000 francs. On n'est pas venu parler de ça ici. Mais nous ne sommes pas là. Ah non, non. Mais c'est pas ce que tu m'as dit. Il m'a enceinte, tonton. Oui, mais il t'a enceinte comment? Tu n'as pas dit que c'est ton copain? C'est mon copain, c'est mon copain. Alors, je suis désolé. Mais laisse-moi, je vais comprendre le problème. En tout cas, c'est mon copain. C'est une fille que j'ai croisée dans la rue. Il me fuit, c'est pour cela. Je l'ai croisée dans la rue. Non, c'est pour la première fois qu'elle vous a croisé, elle vous a parlé d'un problème de 10 000 francs. On n'est pas venu parler de ça ici. Nous sommes sortis une seule fois. Ça fait au moins 3 mois. Elle me dit qu'elle est en grossesse. De combien de temps? Elle dit qu'elle est à moi. Donc, elle n'a jamais habité chez vous? Non. Elle ne connaît même pas mon domicile. Je ne sais pas comment elle s'est arrangée pour connaître aujourd'hui. On s'est croisé dans la rue comme ça, vaguement. Non, mais vraiment. Et moi j'ai tiré mon pot. Mais s'il m'a enceinté, il veut pas reconnaître, voilà. Ah, allons là-bas, hein? il m'a enceinté. Allons là-bas, excusez-moi d'avoir vous déranger. Bonjour. Tu commences à vieillir, ça va. Tu deviens vieux, hein? Ah, on t'a dit, je suis né aujourd'hui. Mais il y a quoi? Amène la chaise à toi, t'assois. Les jetons de l'homme chaque matin. À l'hôtel. Je suis là. Dans le travail maintenant qui fatigue l'homme là. La nouvelle. J'ai un problème grave. Même. J'ai un problème grave, c'est ça, je suis venu te voir. Qui est mort? Autre fois là, on s'est vu là. Je ne me suis pas encore vu depuis là. Tu t'es pas quoi? Je me suis pas encore vu. Non, tu te vois pas. Depuis ce jour-là, je ne me vois pas. Ah bon? Elle ne se voit pas. Ah, donc, c'est une chance même, parce qu'il tendait de me plaigner. Regarde ici. Qui a parlé des miroirs même? J'ai dit, il n'y a pas encore vu la lune. Ah, tu dis, tu ne te vois pas. Mais la lune, il y a des périodes où ça sort. Ce n'est pas tous les jours. Je n'ai pas encore vu mes règles. Je suis enceinte. C'est tout ça, tu comprends pas, tu me montres n'importe quoi, miroir, tout ça. Toi, ça fait combien de mois? Ça fait un mois maintenant. Un mois. Alain, apporte-moi ma mallette là. Ça, là, ça a besoin de mallette encore. Hein? Là, tu dis que tu n'as pas dit que tu es enceinte. Ah, oh, mais tu te comptes quoi? Merci, il faut parler. Il y a quoi dans la mallette là? Non, mais tu dis que tu es enceinte. On s'est vu le... Quand on a fait ça? Le vendredi 13. Oui, 13. Il calcule que 13. 13, oh, plus ça. Quand on a fait ça là? 6. On s'est vu, ouais. Mais ça, regarde, hein? Tout ça là, ça veut rien dire. Des fois, tu attends quoi non, même? Non, j'ai dit, non, attends. Oh, ça, tu m'énerves trop. Ça, je suis d'accord avec toi. Donc, ça veut dire, en 21 jours là. Regardez. Pour moi là, c'est classé. Oh, ça, regarde, le gars, il ne faut pas déconner comme ça. Bon, c'est pas grave. Allez. Regardez. Viens chercher. Viens chercher quelque chose malade pourri là. Merci, ça fait rien. Ah, bien, bon. Je ne connais pas encore. Moi, je suis allé voir un docteur de Yann. Il faut me donner l'argent, j'ai l'enlevé. Il dit c'est combien? 85. 85. Moi, je ne vais pas dans les niafou quand même pour enlever grossesse. Hein. Bon. À l'indigène, même ça tue. Ouais, ça tombe bien. J'ai un docteur, mais comme j'ai un ami qui est gynécologue là, on va aller nous deux.
Quel gynécologue? Mais c'est pas pour enlever. Non, l'argent, il y a enlevé le truc. Mais j'ai dit, ce n'est pas pour enlever ou bien quoi? C'est pour enlever. Donc on va à ça? Non, non, non. Je vais pas à toi. Donne-moi l'argent, moi je vais aller. Ça veut dire quoi? Regarde-moi, escroc comme ça là. Je suis escroc. Quand tu dormais, moi là, il y a fait des escrocs dedans. D'accord. Il va te donner le milliard. Alors tu vas me donner. C'est tu t'as cherché quoi, monsieur? C'est milliard, je vais te donner. Tu t'as cherché quoi? Non, les filles vagabondes, voleurs comme ça là. C'est moi, tu vas venir tromper. Viens, viens maintenant, alors je vais enlever. C'est la même, s'il n'y a même pas grossesse dedans, je vais dire au gars, il va me faire dedans. Chômage.